On va faire tout doucement. Et après tout à l'heure, on ajoutera un petit peu de... crème. Et on viendra rouler nos gnocchis là-dedans. Hop. Alors, ici. Bien faire chauffer l'huile. Faire chabrot, c'est mettre du vin dans le restant de soupe. Ah d'accord, bah, je connaissais pas. Bah, j'ai appris quelque chose. Mettre du vin dans son assiette, après la soupe en général. Bah écoute, je ne connaissais pas. J'ai appris quelque chose. Et voilà, hop, les gnocchis, c'est parti. Je connaissais pas non plus, mais voilà. Un petit côte de Rhône Guigal, et ben, c'est une coutume ancienne. Et ben, fais-toi plaisir, je connaissais pas du tout. J'irai me coucher moins bête ce soir. Faire chabrou. Mettre un peu de vin rouge dans son assiette après la soupe. On va laisser nos gnocchis dorés. On a mis la dose. Hein. Bon, j'espère qu'ils vont se détacher un peu. Bon, ils n'ont pas une forme. Ils n'ont pas la vraie forme du gnocchi, mais j'arrive jamais à les faire bien comme il faut. Mais. La recette est là. J'essaie d'en décoller quand même. Voilà. Bon, avec la matière grasse, ça va se décoller. J'avoue le mettre dès le début. Bah écoute, si c'est bon. L'important c'est que tu te régales. Hein. Bon, ici notre petit lard et nos oignons, c'est pas mal. On va retirer du feu et on va mettre un peu de crème soja. Hop. Celle-là, j'en suis moins certain par contre. Hop. Hop.